Et j'invite à me rejoindre Emmanuel Château-Dutier, qui est professeur à l'Université de Montréal, et qui va évoquer, je reprends le titre de son intervention, une petite histoire critique de l'ouverture des données muséales et patrimoniales. Merci à vous. Bonjour à tous. En fait, l'intitulé de mon intervention était probablement trop ambitieux pour les 15 minutes qui nous sont accordées. En tout cas, mon idée, c'était de vous présenter quelques éléments qui sont relatifs à l'utilisation des API dans le domaine muséal et qui font que le contexte d'activité des musées change profondément aujourd'hui. Et dans le contexte d'ouverture des données publiques, les musées mettent de plus en plus à disposition des publics ou de la société des métadonnées ou encore le contenu de leur collection. Et il me semble aujourd'hui que le musée, comme média, ne se résume plus à son espace d'exposition physique, mais présente d'autres interfaces, en particulier numériques, avec ses publics et qui diversifient fondamentalement ses modalités de relation avec l'ensemble des acteurs. Or, cette mise à disposition suppose que les musées envisagent tant dans leur politique que dans leur organisation les nouvelles modalités qu'implique la publicisation de ces collections. Il ne s'agit pas tant d'évoquer ici les catalogues en ligne de musées, leur application pour terminaux mobiles ou les déploiements d'expositions virtuelles, mais plutôt les formes plus spécifiques à l'informatique, comme la mise à disposition de jeux de données ou la création d'interfaces programmables qui peuvent directement intéresser les historiens de l'art. Alors, comment ces diverses formes de publication offrent de nouvelles interfaces destinées à la création de services numériques et à des usages nouveaux des collections? En fait, depuis de nombreuses années, les institutions muséales sont confrontées à une sorte d'injonction à partager leurs collections numériques, qu'il s'agisse de leurs métadonnées ou des contenus produits dans le cadre des grandes campagnes de numérisation patrimoniale. Mais cette injonction est fondamentalement paradoxale, car si la logique du partage est porteuse d'un ensemble de promesses généreuses, démocratie, équité, pluralisme, ouverture et accessibilité, mais aussi de soins, care, elle peut être aussi envisagée par les bailleurs de fonds comme un moyen de servir une économie de la connaissance et à stimuler la compétition du marché. Et je crois qu'en fait, c'était cette ambiguïté-là que j'aurais aimé traiter, mais comme le sujet aujourd'hui porte surtout sur les images, je vais essayer de m'attacher plus particulièrement à ça. Simplement, ces interfaces, en fait, elles peuvent être... considérer aussi et interpréter. Alexander Galloway, dans The Interface Effect, invite non seulement à définir l'interface, mais aussi à l'interpréter, puisque les interfaces ne sont pas, selon lui, seulement des objets simples ou des points de contact. Elles constituent des zones autonomes d'activité. Ce ne sont pas des choses, mais plutôt des processus qui affectent un résultat. Il parle ainsi d'effet de l'interface. Alors, il s'agirait sans doute non seulement de dire comment celles-ci définissent de telle ou telle manière de montrer, mais aussi comment elles existent pour des raisons historiques ou sociales. Les interfaces, finalement, de manière plus globale, racontent les forces plus larges qui les ont engendrées. Il s'agit pour lui d'une allégorie du contrôle. Quoi qu'il en soit, la question du partage est évidemment éminemment une question politique. Caring is sharing, pour reprendre le beau titre d'un recueil de textes consacré à la question du partage en milieu muséal, édité par le Musée national des beaux-arts du Danemark. En fait, mon propos, qui est en partie polémique, consiste plutôt à essayer d'expliquer des éléments de contexte concernant la mise à disposition des contenus libres par les musées, qu'il s'agisse d'images ou de métadonnées, pour ensuite aborder le musée et ses interfaces en contexte numérique. Alors, qu'est-ce qu'être ouvert fondamentalement? Les concepts liés à l'accès ouvert naissent à la croisée des domaines informatiques et universitaires, avec les déclarations de l'Open Access de Budapest en 2002 et toute une série de déclarations ensuite. Mais là où une vieille tradition et une nouvelle technologie avaient convergé pour apporter un bénéfice public sans précédent, je cite la déclaration de Budapest, les musées ne pouvaient pas vraiment se réclamer de la même tradition du partage. Dans le domaine artistique, particulièrement, la tradition du connaisseurship impacte fortement les musées, et en dépit du renouveau de la muséologie des années 70, les habitudes avaient la vie dure et les musées ont souvent pu continuer à être caractérisés comme des organisations autoritaires, thésaurisant un patrimoine précieux qu'elles rendaient parfois difficile d'accès.
Il faut relever que la déclaration de Berlin du 22 octobre 2003 souhaitait déjà encourager les détenteurs du patrimoine culturel à supporter l'open access en fournissant leurs ressources sur Internet. Une incitation renouvelée dans la déclaration sur l'accès à l'information et au développement de Lyon en 2014. En fait, dès la fin des années 70, la politique d'intégration européenne a identifié la politique culturelle comme un levier d'intégration européenne. Et les politiques européennes en la matière ont très largement été marquées par des incitatifs internationaux, tels que les politiques soutenues par l'Organisation mondiale du commerce et le G8 pour l'avènement d'une société de la connaissance. Et à cet égard, il est probable que nombre des ambiguïtés auxquelles nous nous trouvons confrontés dans le cadre des politiques institutionnelles aujourd'hui soient en partie liées au caractère principalement néolibéral de ces politiques dont il faudrait sans doute faire la critique. Ceci étant dit, depuis les années 2010, les choix volontaristes opérés par un certain nombre de grandes institutions patrimoniales ont profondément changé la donne du point de vue du partage de l'information patrimoniale, prolongeant la politique d'ouverture des métadonnées entamée au tournant de la décennie. Plusieurs institutions ont fait le choix de mettre à disposition, vous le savez, du public, avec des restrictions plus ou moins importantes, des images de leurs collections. Alors dans ce mouvement, c'est évidemment d'abord les bibliothèques qui portent le lead avec la mise à disposition des données d'autorité de la Bibliothèque nationale d'Allemagne en 2010. En 2011, l'ouverture de la bibliographie nationale britannique et en 2011, surtout, une déclaration à la conférence des bibliothèques nationales européennes qui supporte très directement l'usage de licences libres. Alors, libre fut incontestablement un des mots-clés principaux de l'année 2013 avec l'arrivée en masse de grandes quantités d'images mises à disposition par les musées. En fait, le mouvement, il est débuté par le Sydney Powerhouse Museum avec Sébastien Chan qui a beaucoup contribué à ces dispositions avec une mise en ligne des contenus sur The Commons, puis le Walter Art Museum qui conduit un accord avec Wikipédia en 2012, le RISC, la National Gallery en 2013, le Getty Research Institute et toutes les annonces retentissantes de ces dernières années. En fait, il y a un lien direct entre les politiques de mise à disposition des contenus de métadonnées et d'images, et on le voit dans cette chronologie avec le choix de licence libre qui passe finalement des métadonnées aux images. Et il peut aujourd'hui, à mon avis, être intéressant de s'interroger sur la distinction qui s'est instituée et à laquelle on a contribué entre les métadonnées et les images des œuvres d'art. Si cette distinction avait pu être utile pour justifier la mise à disposition des données de catalogage des bibliothèques et répondre à l'argument erroné du droit d'auteur qui nous était parfois opposé quand on demandait l'ouverture de ces données, en matière d'œuvres du domaine public, cette distinction n'est, je crois, plus véritablement fondée. Les historiens de l'art savent trop bien que l'image de l'œuvre n'est pas l'objet. Et au fond, ces images ne sont en quelque sorte qu'un ensemble de données d'enregistrement sur les œuvres, a fortiori quand l'image est numérique. En la matière, à bien des égards, on peut dire que c'est ce qui explique la place centrale qu'occupe encore aujourd'hui, dans plein d'endroits, l'interdiction de photographier au musée dans ce dispositif. Il s'agit donc de réserver la reproduction des œuvres en échange d'un bénéfice hypothétique sur l'exploitation commerciale de la reproduction des œuvres dans le domaine public. Et sur ce point, les dispositions concernant l'exception culturelle qui avait été ménagée dans la législation européenne se sont fondamentalement retournées contre nous, c'est-à-dire qu'elles étaient destinées à protéger le monde culturel. Et aujourd'hui, elles restreignent clairement les politiques de mise à disposition des images par les musées. Et en la matière, on est loin d'être tiré d'affaire, parce que même si l'ABN, qui est relativement libérale sur le partage de ces métadonnées, elle se réserve toujours en partie la possibilité d'imposer une redevance sur la reproduction à des fins commerciales des contenus qu'elle numérise. Et en France, l'institution qui tient la palme de la politique la plus restrictive est sans doute actuellement la Réunion des musées nationaux, qui assure pour de nombreux organismes la gestion des droits photographiques. Pour autant, la gestion de cette commercialisation présente un coût et son service photo était, il y a quelques années, malgré tout déficitaire. Au Québec, les musées qui ont adopté la politique la plus ouverte sont sans doute les musées de la civilisation, qui récemment viennent de se doter d'une stratégie numérique ambitieuse pour le Québec, mais qui accorde finalement une place assez restreinte
à l'open access avec des licences très restrictives à caractère non commercial. C'est dire si on est loin d'être tiré d'affaire. Alors cette question, elle présente une certaine urgence si l'on pense aux acquisitions 3D d'images d'œuvres. Et à cet égard, je vous montre ici une très belle action des artistes activistes Nora Al-Badri et Jan-Nikolai Nels avec le vol du buste de Nefertiti au Altes Museum de Berlin. Et on peut évidemment s'interroger sur le statut de ces acquisitions numériques. À plein d'égards, en réalité, ces restrictions apportées sur le domaine public et donc des œuvres qui ne sont plus soumises aux droits d'auteur relèvent, ça a été relevé par plein d'acteurs, comme tiennent du copy fraud. Je crois qu'il est devenu relativement clair pour tout le monde que les musées et les institutions patrimoniales ne peuvent réclamer des droits d'auteur sur un patrimoine dans le domaine public et qu'il s'agit en l'espèce fondamentalement de réserver ces possibilités d'exploitation commerciale, de perception ou de redevance en s'appuyant sur la propriété des œuvres. Ici, le contrôle à l'accès physique de l'objet détermine les possibilités d'utilisation que se réservent les musées. Alors, ces dernières années, on a cependant constaté dans le domaine muséal une généralisation des interfaces informatiques avec l'émergence en fait, de mise à disposition de données. Alors, la notion d'interface programmable, en fait, elle est très directement liée au mouvement global d'ouverture des données et de l'open data, promu notamment par Tim Berners-Lee. Et bien que ces données soient encore très largement sous-utilisées par les historiens de l'art, on peut dire qu'elles offrent des perspectives particulièrement prometteuses. Dans son acception la plus simple, ouvrir signifie rendre disponible pour l'usager en dehors des institutions qui l'a créé. Et en tant que chercheur, particulièrement intéressé aux possibilités de je suis particulièrement intéressé aux possibilités nouvelles de collaboration que cela ouvre en termes de réemploi, de mise en commun selon des perspectives nouvelles qui dépassent l'échelle stricte de la collection. Et c'est peut-être aussi un problème pour le musée, puisque derrière ces ouvertures de données se posent des questions d'identité. Fondamentalement, ce dont il s'agit quand on parle d'interface programmable, en fait, c'est de mise à disposition par l'intermédiaire de protocoles informatiques qui permettent de construire un ensemble de services avec ces ressources pour différents types d'utilisateurs qui se connectent à ces ressources par voie programmatique. En la matière, plusieurs musées ont rapidement innové. Le premier musée à se doter d'une API fut le Brooklyn Museum, qui met à disposition une API en 2009, puis le Rijks Museum. Et depuis quelques années, ce mouvement se poursuit avec l'émergence du Link Open Data et l'investissement des musées dans ce domaine, avec la publication en 2011 du service de Link Data du British Museum, qui se dote à cet égard d'une nouvelle licence pour ses collections. La mise en ligne de l'API d'EuropaNEA en 2011, puis la publication du modèle EDM, et puis des initiatives plus larges, comme par exemple celle du Smithsonian sur le collaboratoire américain, sur l'art américain. On retrouve ces politiques évidemment dans les politiques nationales et en France avec la feuille de route 3.0 du ministère de la Culture, qui est intimement liée évidemment à la redéfinition en fait, des systèmes d'information du ministère et de leur urbanisation. Autour de ces services peuvent être, donc là vous avez le Link Open Data Cloud que vous connaissez probablement et puis l'ensemble des piles de technologies qui sont également ici mobilisées et qui permettent de créer ces services. Ce genre d'application en fait permet évidemment d'exploiter les données dans des data visualisations comme celle qui avait été publiée en 2014 par Nature. Ou alors par des acteurs extérieurs au musée qui viennent regarder comme des nerds finalement les collections. Mais surtout, ce qui me paraît intéressant aujourd'hui pour les historiens de l'art, c'est qu'elles permettent en fait la création de services innovants. Alors évidemment, le protocole 3IF en la matière est sans doute celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui, puisqu'il permet d'offrir un protocole d'interopérabilité pour les images qui permet de développer un certain nombre de services comme Mirador qui se connecte sur différentes collections pour représenter les images dans l'interface et les mobiliser.
Ce protocole est utilisé en particulier par le Getty Scholar Workshop, Workspace, par exemple, qui offre un environnement de travail collaboratif pour les historiens de l'art, et des perspectives comme l'exploitation interfacée du jeu de Link Open Data du British Museum laisse penser qu'on pourra bientôt parvenir en fait à des environnements de travail productifs pour les historiens de l'art, même s'ils ne maîtrisent pas les langages et les protocoles à l'œuvre pour l'utilisation de ces API. Récemment, l'AFRIX a soutenu un projet, ARIES, Art Image Exploration Space, qui offre un véritable environnement de travail pour l'historien de l'art, permettant de comparer des images, mobiliser différentes ressources, tout en se connectant par l'intermédiaire de ce protocole. Néanmoins, ce protocole permet évidemment aux institutions de ne plus se contenter de se réfugier derrière la barrière du copyright pour ne pas affronter la question de l'éclatement du musée dans le monde muséal, puisqu'en fait, il dispose en fait de spécifications qui concernent la question de la régulation de l'accès des droits. Ce que je veux préciser à cet égard, c'est que la situation qu'on connaît actuellement avec l'extension de la mise à disposition des images par l'intermédiaire de ce protocole, elle est potentiellement sujette à caution. Évidemment, le protocole ménage en fait des possibilités de contrôle des droits pour donner accès à des images en accès réservé, mais rien n'indique que les institutions ne pourraient pas changer de politique à l'égard de la mise à disposition de ces contenus. Et il me paraît important de pas perdre de vue qu'évidemment, ces protocoles sont avant tout des protocoles techniques et que en arrière de ces dispositifs se posent essentiellement des questions politiques. Avec ces différentes formes distribuées de mise à disposition des connaissances, en fait, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est un musée qui devient de plus en plus, qui peut de plus en plus être conçu comme un service d'information. La convergence entre musée et bibliothèque, dont est issu l'acronyme GLAM, identifiée dès les années 90 ou reprise par Corinne Véger-Barbosa avec son devenir médiathèque du musée, a très largement été mise en évidence par George MacDonald et Stephen Alsvold dans un article de 1991 qui présentait le musée comme un service informationnel. Les auteurs expliquent que traditionnellement, les musées ont focalisé leur attention sur le passé. Leur préoccupation à l'égard des restes matériels du passé explique en partie leur focalisation sur les objets. Mais qu'avec la numérisation, en fait, on assiste à une réorientation qui impacte en fait les différentes définitions traditionnellement associées au musée, collectionnement, préservation, études, exhibition et interprétation, au profit d'un ensemble d'activités qui vont être dématérialisées. Le statut des institutions change profondément en réalité avec ces mises à disposition, parce que dès lors qu'elles sont traitables par l'informatique, en fait, elles supposent potentiellement une mise en commun des ressources qui nous intéresse, nous, très directement en histoire de l'art, mais qui vient heurter en fait la logique de collection identitaire du musée et qui implique du coup le développement de nouvelles stratégies de marketing pour les musées. Certains ont très bien mené ce tournant, c'est le cas du RICHC en particulier. Et l'article mentionné, en fait, propose à l'époque, en quelque sorte, une vision relativement visionnaire du rôle des musées, qui ne serait plus seulement de servir leur collection, mais de servir la société. Selon eux, l'évolution du contexte social et politique, tout autant que celle des technologies, justifiait déjà que les institutions répondent mieux aux besoins informationnels de la société et de réclamer d'envisager le musée dans la perspective non pas seulement de ses fonctions, mais de ses produits. Alors, le cadre d'opération globale qui était proposé était un cadre qui relève très largement en fait de logique néolibérale, à un moment où les musées étaient très impactés en fait par les politiques de rationalisation et d'imputabilité, mais elle rejoint très directement les questions actuelles qui sont soulevées dans le monde de la communauté muséale, de l'imputabilité sociale des musées.
puisque la question est la mise à disposition en fait de ces contenus et leur réutilisation. À ces diverses problématiques, donc comme je l'expliquais, la solution n'est non pas technique, mais fondamentalement politique. C'est pas un fait nouveau. On sait tous combien le fait que de disposer d'une image en fait ne suffit pas à autoriser sa réutilisation. Mais au-delà des strictes questions d'autorité à laquelle permet notamment de répondre la mise à disposition d'interfaces programmables pour les images, la question reste fondamentalement en grande partie politique. Sur ce point, je ne résiste pas à l'envie en fait, de partager avec vous un extrait d'une note préparatoire d'un discours de Jacques Tuilier dans une conférence à l'époque de la création de cet institut en 1998, lors de la journée Musée-Musée sur les instituts d'art. Jacques Tuilier, qui comme chacun sait est loin d'être un marxiste, faisait la déclaration suivante. L'histoire de l'art devient un luxe comme vers 1890. Elle sera bientôt interdite aux étudiants, sauf ceux qui pourront s'offrir de grands collèges américains. À quand la nuit du 4 août contre tous ces privilèges d'octroi et de payage? À quand la liberté de l'image? Sinon, c'en est fini de l'histoire de l'art. Je vous remercie. Alors merci beaucoup pour cette intervention très stimulante.